Chloé n'a peut-être pas totalement tort, Tiki. J'ai pas vraiment changé. C'est toujours la même chose quand j'essaie d'avoir une discussion avec Adrien. Dès que je suis face à lui, mon cœur s'emballe et les mots se mélangent. Je suis comme paralysée. Tu es derrière ce masque mystérieux. Je te vois tous les jours et j'aimerais que tu me fasses signe. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Veux-tu être ma Valentine? Qu'est-ce que c'est beau, Tiki! Mais je ne saurais jamais ce qu'Adrien pense de moi ni à qui était destiné son poème. Je suis trop... Ah, nul! Ne dis pas ça, Marinette! Tu as beaucoup changé depuis la rentrée et ta première rencontre avec Adrien. T'as raison, il est temps que je lui avoue tout. Je te jure, je dirai à Adrien ce que je ressens pour lui. Et alors, elle a deux yeux, deux bras et deux jambes, comme tout le monde, non? Comment peux-tu être amoureux de Ladybug? Tu ne sais même pas qui elle est réellement. Tu ne connais vraiment rien à l'amour. J'ai fait réserver la salle d'escrime pour 18h05 et la salle de chinois pour 18h35, comme vous le souhaitiez. N'oubliez pas que vous devez faire une apparition au gala des héros de la Fondation Agreste ce soir. J'y serai sans faute. L'amour, c'est comme le foot, pas vrai? Il faut avoir une stratégie, sinon tu sors. Mais si tu vises bien, tu passes pile entre les poteaux et Oui, Kim, très belle métaphore. Que je mette quoi? Ça brille, dis donc, c'est pour moi. Négatif, Alia, la bénéficiaire de ce bijou a déjà été déterminée. Il s'agit de... Chut, les murs ont des oreilles, Max. Je tiens un scoop, notre Kim est amoureux. Mais qui est l'heureux élu? Oh, c'est super beau, Kim, ça va lui faire super plaisir. Ouais, enfin, faut encore qu'elle accepte. Et si elle en voulait pas? Elle va adorer, Elliot, c'est obligé. N'aie pas peur, fonce, vas-y, surtout, faut pas que t'aies de regrets. Ok, alors l'opération Saint-Valentin est lancée. Ouais, je t'ai surligné son trajet en jaune, le tien est en rouge. En courant à 16 km/h, t'auras 1 minute et demie d'avance sur elle. Vous vous croiserez à cet endroit-là, c'est le 3e endroit le plus romantique de Paris. Go, go, go! Merci Marinette. J'en connais une qui est forte pour donner des conseils, mais pas pour les recevoir. On ira à la séance de 15h12 parce qu'il y a 89,5% de chances qu'André le glacier soit sur notre trajet. On mangera une glace des amoureux et comme ça on... Tu vois pas que tes défauts sont des qualités? Il suffit que tu restes toi-même, Marinette. J'ai besoin d'un verre d'eau. Je reviens tout de suite. Allez. Mettez-vous en place! Marinette, qu'est-ce que tu fais là? Adrien, je t'aime! Tout va bien? Les toilettes! Je suis désolée, mais il faut vraiment que j'y aille! Oh, j'en ai tellement marre de ne jamais réussir à lui dire ce que je ressens! Mais j'ai trop peur de penser Tiki! J'ai trop peur qu'il me dise qu'il n'est pas intéressé! Et si tu arrêtais un peu de réfléchir, peut-être que tu devrais faire comme si tu jouais un rôle! Comme une pièce de théâtre? Oui! Tu pourrais jouer un personnage super cool qui n'a jamais peur de rien! Oui! Une pièce de théâtre, je peux le faire! Adrien? Est-ce que tout va bien? Non, en réalité, ça va pas. Je me sens complètement désemparée. La fille que j'aime n'a plus cassé de m'entendre te déclarer mon amour en boucle comme un disque rayé. J'essaie de m'en empêcher, mais c'est compliqué, tu sais. J'ai tellement d'amour enfermé dans le cœur. Je te comprends, moi. Merci, mais t'es bien la seule. Je dois partir. Au revoir, Marinette. Excuse-moi, Adrien. Je voulais pas te faire de rentrer dedans. Te rentrer dedans. Ah, Marinette, c'est pas le moment de dire n'importe quoi. Je voulais, comment dire, t'offrir un carreau. Je veux dire... Je reviens d'une virée shopping et j'ai là avec moi par un hasard incroyable le truc idéal pour te remonter le moral. Alors, je te le donne. Merci. Tu n'auras qu'à faire un Lucky Charm quand on sera rentré. Non. Mon pouvoir me permet de créer un objet magique qui répare les dégâts causés par un super vilain bien précis. Alors il n'y a plus de réparation possible? Maman? J'y pense tous les jours, tu sais. Mais je ne trouve pas les mots pour te le dire. J'ai l'impression d'avoir fait tout mon possible, tu sais. Mais sans les miraculous de Ladybug et Chamois, jamais je ne pourrais réaliser mon vœu. Pardonne-moi, Emily. Nourou. Nosso.
Je renonce à tout. Blague, c'était ma seule amie. Je ne sais pas quoi faire. Adrien, je t'aime. Tu pourras toujours compter sur moi. Merci. J'ai été un vrai chaton capricieux, Malady. C'est pas parce que je ne fais pas toujours appel à toi que je n'ai pas besoin de toi, chat noir. Personne ne pourra jamais te remplacer. Adrien, est-ce que tout va bien? Oh. Oui, ne t'inquiète pas, ça va. Oh, le seul moyen de guérir d'un chagrin d'amour, c'est de manger une tonne de fromage. On s'y met? Je n'ai pas de chagrin, Plague. Super, je peux dire adieu à mon festin de camembert. Ladybug est la seule que j'aime. Mais Marinette, cette fille est vraiment extraordinaire. Je crois que je suis amour. Berk! Toute cette mièvrerie me donne la nausée. Il va prendre du camembert.